Il y a un mec chez MrBeast qui a gagné 800 000 dollars. Donc regardez cette vidéo, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est parti. Voyons voir ce que ça va donner. Le parcours d'obstacles le plus mortel au monde. Et mon ami Mac, ici présent, va tenter de... Maintenant ça, c'est un obstacle meurtrier. Mais gros, mais même un enfant de 5 ans arrivera à le faire. C'est quoi ça? Même moi, avec les yeux bandés, j'arriverai à faire cet obstacle qui est soi-disant meurtrier. Oh là là. Sans tomber 60 mètres plus bas. C'est quand... J'ai pas vu venir les 60 mètres bas. Ok, c'est peut-être au-dessus du sol à 60 mètres. Mais bon, voyons voir. Ok. Mais franchement, il n'y a même pas un mètre entre la plateforme et le premier saut, bordel. Oh là 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 là. Je suis hyper haut. Regardez à quel point la plateforme tremble. On est à des dizaines de mètres au-dessus du sol. Hein, la plateforme ne tremble pas. C'est juste ses jambes à lui qui tremblent. Regardez ça. Et c'est que le premier des nombreux obstacles mortels, douloureux, oh, complètement dingue, auquel Mac va être confronté tout au long de cette vidéo. Et si Mac réussit à aller au bout de ce parcours à 6 obstacles qui l'attendent, il remportera 800 000 dollars. Oh, c'est ça qui m'intéresse. 800 000 euros. Oh mon Dieu. Il va gagner 800 000 euros. 800 000 dollars, euros, ce que vous voulez. C'est la même chose, quasi. Mais bon, bref. Gros, juste pour ces obstacles, il va gagner 800 000 euros. Alors que moi, je l'ai... Oh là 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 là. Allez, voyons voir. Dingue. Je pourrais pas faire tout ce qu'il a fait là. Oh mon Dieu, ce truc-là. Comment ça, t'arriveras pas à faire ce qu'il vient de faire? Mais gros, les sauts, tu peux les faire même en pas chassé. T'as même pas besoin de sauter pour les faire, les sauts, bordel. Est-ce que touché? Bien ne pas réussir le premier niveau. Il te reste plus que deux boudins qui se croisent en se balançant et la distance à franchir. Ok, ça c'est un petit peu chiant. Ok, j'avoue. Il y a 800 000 dollars en jeu. Ça va être une vidéo courte, les gars. Moi je suis sur la plateforme. Courte. Oh, ta grand-mère, la très belle femme. Oh mon Dieu, le ralenti. Oh là 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 là. Oh là là, je m'en fous de son saut. C'est juste que le ralenti, il était masterclass. C'était le plus facile des 6 obstacles. Passons maintenant au suivant. Ça peut pas être pire que celui-ci. Eh ben... Comment ça? Oh mon Dieu, mais gros, c'est pas parce que t'as mis l'obstacle à 60 mètres du sol et que l'obstacle est déjà facile qu'il va être plus dur. Oh mon Dieu. Si, en fait. Et Mac doit terminer les 6 obstacles du parcours s'il veut remporter les 800 000 dollars à la clé. Mac, est-ce que t'es prêt? Je sais pas. La bonne réponse est non, parce qu'on n'est pas encore très haut. On monte? Oh, ok, il est en train de le mettre à 60 mètres du sol. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce parcours est bien plus difficile. Mac, enlève ton bandeau. On peut voir le filet. Oh là 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 là, on peut voir le filet. Donc s'il tombe, il ne meurt pas. Ça, c'est pas juste ça. Ça, c'est pas juste. S'il tombe, il ne meurt pas. Parce que j'ai bien vu le filet. Il est bien visible. Je pense qu'il a fait exprès pour faire visible le filet, juste pour que les gens croient qu'ils sont à 60 mètres du sol. Ne t'inquiète pas, on te croit, MrBeast. Oh. Devant toi, oh y a mon deux Dieu. Jeux auxquels tu jouais quand t'étais petit. La poutre d'équilibre et les barres de singe. Tu dois choisir l'une d'entre elles pour venir C'est vrai. Te rejoindre ici. Et en plus, enlève ton harnais. Non. Si jamais non. Pour une... Gros, moi, franchement, je choisirais direct, celle à droite. Avec les barreaux où tu vas commencer à faire des tractions avec tes mains. Parce que ça... Pense ce que j'aime mieux et c'est plus facile que l'autre, raison, pas pour une autre, il échoue à ce parcours d'obstacles, il tombera directement de quelques dizaines de mètres dans un filet. Oh, mais franchement, comment il arrive à faire des effets pareils? Comment il arrive à montrer le mec en tombant alors qu'il n'est pas encore tombé? Et ces 800 000 dollars brûleront. 800 000 euros brûleront. Gros, pourquoi tu vas brûler les 800 000 euros? Si il perd, garde les sous pour toi-même. Pourquoi les brûler, bordel? Remporter 800 000 dollars, c'est pas une tâche facile. Ah bah, j'ai bien remarqué. Oh là là, mec. Bon, apparemment, Mac choisit les barres de singe. Ça fait peur de le regarder descendre. Une fois accroché à la première barre, il pourra plus revenir en arrière. Voyons s'il réussit à s'accrocher à la première barre de singe. Allez, ta grand-mère, notre belle corps. Allez. 100 000 dollars en jeu. Allez. 3. Allez. Regarde pas en bas. Il peut plus reculer. Ça c'est dur ça. Dieu. Ça j'avoue c'est dur. Je vais pas faire le malin. Oh, il se lance. Vas-y Mac. Il se lance. Allez. Allez, comment il s'appelle Mac? Allez Mac. Mec, c'est un truc de dingue. Allez. Oh mon Dieu, je transpire à sa place. Ton argent est juste là, il est en côté. Allez, juste regarde l'argent. Ne regarde pas en bas. Oui, t'es 60 mètres au-dessus du sol. Mais bon, regarde l'argent.
Allez, allez. Oh mon dieu, le film de fou. Allez, allez, allez. Si tu tombes, on devra prendre un autre candidat. Oh, oh mon dieu. Allez, t'es presque, allez, presque plus que la moitié. Wow. Oh mon dieu. Oh. Oh lolo, il a one shot super, direct. Si, c'est la pire. C'est la plus large. Allez, allez, c'est la plus dure. Ok, c'est dur ça. Tu dois avoir des gros bras pour pouvoir faire là. Des épreuves pareilles. Ton pas, t'es tout prêt. Oh, ah, oh mon incroyable. Dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il a one shot le con. Il a one shot le truc le con. Oh mon dieu, il m'a donné le sourire. Oh lolo lolo lolo. C'est en fait un ancien malheureux candidat qui a participé à deux anciennes vidéos de défi. Et même s'il les a tragiquement perdues, il est devenu l'un des chouchous du public. Alors j'ai dit. Quoi ? Il a déjà participé à des épreuves à l'ancienne et il a perdu. Donc ça, c'est sa troisième chance, à ce que je comprends. Je vais lui donner une toute dernière chance de se racheter. Toute dernière chance, ça veut dire soit ça passe, soit ça casse. Oh mon dieu. Et remporter cet argent une bonne fois pour toutes. Bienvenue. J'aimerais pas être à ta place, petit Mac. Oh mon dieu, voyons voir. C'est peut-être ton pire cauchemar. Oh non, oh non, oh non, oh non. D'après les carreaux blancs, je sais qu'il va y avoir un chemin, il doit le mémoriser et il doit savoir le traverser sans aller du mauvais carreau. Jusqu'à je suis sûr et certain, vidéos, regardez très bien. Tous les obstacles étaient basés sur la force. Domaine où Mac est plutôt doué. Mais ce niveau-là va mettre son cerveau à l'épreuve. Appuie sur ce bouton rouge et garde la main dessus. Ok. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Comme tu le vois, un chemin... Qu'est-ce que j'ai dit, bordel, ta grand-mère, la tribale femme ? J'ai dit ça, qu'il va y avoir un chemin et il doit le mémoriser pour pouvoir atteindre le bout. Il est en train de s'allumer sur le sol. Attends qu'il ait fini de s'allumer. Oh, ça, je pense que moi, j'arriverai. Oh, faut juste le mémoriser. Juste, la technique, c'est quoi ? Mémoriser combien de carreaux il y a et les compter. 1, 2, 3, 4 vers l'avant et hop, il va aller vers la droite. Donc, c'est facile de parler, mais c'est dur de mémoriser. Le problème, c'est qu'il doit faire le parcours entièrement de mémoire. Il aura exactement 30 minutes pour mémoriser parfaitement les 44 tuiles vertes. Mais s'il marche accidentellement sur une tuile rouge, alors tous ses billets exploseront. Oh ! Mais pourquoi exploser, bordel ? Mais pourquoi les exploser ? Maintenant, je pense que c'est de l'argent faux, mais même si... Pourquoi exploser de l'argent, gros ? Donnez-les-moi à moi, donne-moi l'argent ! Ça te protégera de l'argent. Lancez le chronomètre ! Lancez le chronomètre ! Allez. Appui ! Mais il pleut ? Quoi ? Pourquoi il pleut ? Pourquoi il n'y a pas un toit ? Ah, je pense que c'est pour les effets parce qu'il. Oh là 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 là, il pleut, c'est juste des effets en plus. La pluie de notre côté dramatique. Ah, ok. Ok, ok. Il y a 1, 2, 3, 4 par l'avant. 1, 2. Non, arrête. Dis-nous ce que tu veux. 3, allez, encore 1 et puis tu vas à la droite. J'avais pas mon bouclier. 4. Ok, 1, 2, 3, 4, c'est bien, c'est bien. Non, tu sais que tu peux appuyer sur le bouton autant de fois que tu veux. Ah, il peut appuyer autant de fois qu'il veut. Ok, 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 ok. Oh mon si dieu, si t'es pas je sûr de toi, il vaut mieux que tu prennes pas de risque. Il rappuie de nouveau. Ah bah, moi, tu sais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? J'aurais pris un caillou, quelque chose de lourd, et je l'aurais mis sur le bouton. Comme ça, le passage, il restera allumé. Donc, comme ça, je vais pouvoir faire le passage sans que ça s'éteigne. Mais faut juste utiliser sa serveur. 99% des gens n'ont pas, mais bon, bref. On est à peu près à une tuile par minute pour l'instant. Ouais, c'est ça, merci, Kian. Et il y a plus de 30 tuiles. Ok, ok, ça va. Allez, j'y vais. Ok. Est-ce que t'es sûr de toi ? Non. Tu penses que l'argent va pas exploser ? Non, je suis pas sûr de moi. Allez. Et tu vas quand même par là ? Ouais, je suis à peu près sûr de mon coup. Il commence à devenir fou. Il te reste plus que 23 minutes. Pendant que tu te demandes si tu vas marcher sur cette tuile, je voudrais te rappeler que c'est ta toute dernière chance. Pour gagner ces 800 000 dollars. Mais si tu perds encore une fois, on pourra plus te faire revenir. C'est celle de devant, non ? T'en dis quoi ? À qui tu parles, Max ? Jimmy, j'en sais attends, rien. Attends, tu me demandes de t'aider à gagner mon argent ? C'est un petit peu ironique de demander au créateur qui va t'offrir l'argent, si tu gagnes, de t'aider. C'est si loin dans le parcours qu'une tentative individuelle lui faisait perdre au moins 6 minutes. Peu importe le nombre de fois où il recommençait, il n'arrivait pas à se souvenir de la fin du chemin. Il fallait descendre de 3. 1, 2, 3, 4, 4, c'est bon. Ah, je crois que c'est celle-là, c'est bon. Là, je suis en territoire inconnu, j'étais pas allé aussi loin. Il te reste 9 minutes. Tu peux revenir et vérifier si tu veux. J'ai bien cru que c'était terminé. J'ai pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Et je crois bien que... Mac ! Ouais, dis-moi. Souviens-toi de ta chute.
quand t'as perdu 700 000 et 800 000 dollars. J'y pense souvent, moi. Les gars, maintenant, sincèrement, dites-le moi. Est-ce que vous voulez que je réagisse aux vidéos précédentes où il a perdu la somme d'avant? Tu peux retourner appuyer sur le bouton encore une fois, c'est à toi de voir. Il te reste encore 8 minutes, espèce de con. Fais quelque chose, bordel. Oh là là, il recule. Oh mon dieu, mais gros, il y a uniquement deux carreaux entre toi et le et la plateforme. Donc tu peux sauter. Bon. T'as pas besoin de refaire le chemin. Oh là là, mais il n'utilise pas sa cervelle. Mac a passé la moitié du temps qu'il lui restait. Gros, tu peux sauter, c'est uniquement deux carreaux, bordel. Oh là là, mais saute-le. Mais quand Mac fut suffisamment sûr de lui pour se lancer dans sa dernière tentative. Les deux à droite. Ok, c'est bon. D'accord. Qui s'est retrouvé face à un compte à rebours extrêmement serré? Il reste moins de 4 minutes. Moins de. Ah, c'est pas possible. Allez, 4 minutes, 4 minutes. Fais le bordel, espace de con. C'est juste toi. Ok. Bon voyage. C'est entre toi et les tuiles. Je sens vraiment mon cœur battre très fort la chamade là. C'est tellement intense. Oh. Il se lance. Faire ça. Et maintenant, il lui reste moins de 3 minutes. Un seul faux pas et il perd à nouveau 800 000 dollars. Quoi? Gros, 4, 4, ne fais pas le con. 800 000 dollars, euros, ce que tu veux. C'est là qu'il est resté bloqué la dernière fois. Mais tu peux sauter, bordel, c'est uniquement deux carreaux. Saute. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mec, c'est vraiment tendu là. J'ai encore le temps. 20 secondes. Non. Maintenant, il y a de grandes chances que ça explose. 14 secondes, mais saute. Mais saute. Oh lolo. Attends, je sais plus. Saute. Attends. 6 secondes. Mais il y a un carreau. Saute. Mais les cons. Oh mon dieu. À une seconde près. Alors qu'il a pu gagner si on l'aurait sauté dès avant. Oh mon dieu, la connerie dans la cervelle de la grand-mère de la. Ouais, à une seconde près. Tu dois être content, gros, chanceux, va. Je suis ravi qu'ils soient pas venus me chercher. Quoi, t'es jaloux? Attends, on va ranger ça bien là. Allez, non, ma tresse. Et si Mac avait marché sur une tuile rouge? Oh, l'argent aurait vraiment explosé. Oh là 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 là. Passons maintenant au niveau 4. Oh là là, l'argent, il est derrière. Mais s'il aurait marché sur un faux carreau... sympathique. Mais je sais très bien qu'il va achever Mac. Ça oh. C'est le niveau 4. Et même si ce parcours d'obstacles ne se passe pas dans les airs, oh là là, ça va être très dur ça. Parce que ça glisse, je le sais. Sont presque. Ça glisse, elle est couverte d'eau. Alors t'as deux possibilités. Vas-y, je t'écoute. Tu peux très bien affronter ce parcours d'obstacles monstrueux. Et si tu tombes dans l'eau, tu perdras tout. Ou alors, tu peux prendre ma barre de chocolat Feastables. Et tant que tu la lâches pas, faire autant de tentatives que tu veux. Quoi? Je vais prendre la barre Feastables. Alors il vaut mieux pas qu'il lâche la barre. Ça veut dire. Oh là là, il a même pas pu faire deux pas. Oh là, heureusement que t'as pris sa fichue part. Feastable. J'ai jamais goûté. Donc si vous voulez que je goûte une seule fois, dites-le moi. Ouais, je crois qu'on va y passer la nuit. Mais j'en ai pas vraiment envie. Parce que moi, je suis pas trop chocolat, etc. Mais si vous voulez que je goûte cette barre, dites-le moi. T'y penser, t'es censé porter un casque. Même si Mac n'a pas besoin de casque pour savoir que Feastables est le meilleur chocolat du monde, je veux qu'il en porte un pour ne pas mourir. Meilleur chocolat du monde. Oh là 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 là. Ne lâche surtout pas cette barre de chocolat Feastables disponible dans tous les Walmart du pays. Vous pouvez également acheter Feastables via YouTube grâce au lien ci-dessous. Oh, ok. Il est là, monstrueux. Une seule façon de le savoir, lance-toi. Non, je crois que ça va pas être possible. Mec, c'est une distance de malade. Mais ça c'est dur ça les gars. Oh là là, mais la connerie dans la grand-mère, mais gros. C'est pas trop long, c'est pas trop dur. Faut juste se balancer, avoir le bon timing. Oh mon dieu. Il faut faire comme ça, regarde. Est-ce que vous saviez que les barres Feastables existaient en 7 parfums différents? Allez, tombe. Préféré, tombe. Il est tombé avec sa veste. Dans une seconde. Oh, il a fait. Allez, Mac. J'adore le chocolat Feastables et je vais sûrement pas faire une pause maintenant pour reprendre mon souffle. Feastables, j'ai jamais goûté, Mac, mais bon. Chose qui te sépare encore du niveau. Allez, il y a encore des boules. Les boules. T'as juste à marcher sur les boules et ça fonctionnera. Ces 4 boules rouges sont de loin la partie la plus difficile de ce parcours. C'est pour ça qu'on a fait venir des créateurs pour les tester. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont pas été très doués. Oh. Je ne tomberai pas.
C'est qui ce con? Évidemment, ne refais pas ce que je viens de faire. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc, si tu veux, allez, vas-y, montre-moi. Tu ferais mieux de bien tenir ta Allez, c'est pas si dur, bonne franchement, chance. Mais les boules sont bien grandes, les boules, donc... Quoi? Mais c'est pas si dur que ça, gros. Tu vas pas me faire croire que ça, c'est dur, ça. Bon, deuxième essai. Oh là 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 là, mais c'est pas si dur, bordel. Je te jure que c'est pas dur. Ouais? Bah non. Et Not Big heures, Red Mac Ball. Fait que tomber. Mais c'est pas dur. Et ouais, et après il est tombé. On va pas Est-ce que c'est si dur que ça? J'ai vraiment envie d'essayer. Allez, vas-y. Il arrivait pas à atteindre la troisième boule. Ça fait tellement longtemps progrès, qu'on est là progrès. Que le soleil est littéralement en train de se lever. Oh. C'est ton héritage, tu vas y arriver. Ouais. Oh. Ouais. Allez. T'as juste encore à faire ce dernier saut. Cette boule. Accroche-toi bien. Surtout accroche-toi, tiens, bordel. T'inquiète pas, je vais rien lâcher. Oh. Oh, oh oui. Oh là 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 là, il l'a fait. Mais franchement, ça c'est de la tricherie. Je vais le dire parce que il peut pas perdre. Il peut répéter tant de fois qu'il veut. Ça veut dire, il peut rester un mois collé sur cette épreuve, il ne perdra jamais. Sur le bouton avant de lâcher la barre. Bravo. Ok. Ok. Incroyable. Bravo, bravo, bravo. Je te félicite, même si. Bon, il te reste plus que deux parcours d'obstacles pour enfin Allez. Gagner une de ces vidéos. Ça peut pas être pire que ça. On peut pas mentir à un homme pendant qu'on lui serre la main. C'est vrai. C'est ce qu'on On peut pas mentir à un homme quand on lui serre la main. Ça, c'est une bonne phrase, ça. Lâche-le. Ouais, c'était celui-ci le plus dur. Je rigolais, Mac est foutu. Le prochain parcours est plus difficile. Viens, c'est par ici, Mac. Oh. Attention, fais gaffe où tu mets les pieds. On va où, là? Montre-moi. Mac. Mais je vois rien. Tu peux enlever ton bandeau, maintenant. Et sois le bienvenu au niveau 5. Quoi? C'est quoi, ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire, encore? Mac doit sûrement se dire... C'est quoi, cette merde? Quoi? Il a fait des épreuves qui étaient meurtrières. Et puis, au niveau 5, tu me mets une épreuve pareil, qui pue, sa grand-mère. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y avait plus de budget ou quoi là? Il y avait plus de budget dans ton sacoche. Et oh mon juste Dieu. De construire ce parcours dans les précédentes. Mais c'est trop simple. C'est quoi ça? Oh mon Dieu, il y a même pas de l'eau pour glisser. Oh là 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 là, t'avais plus de budget sur cet obstacle, gros quoi. Il n'a pas vraiment été un problème pour Mac. Ok, et alors? C'est même pas 60 mètres au-dessus du sol, bordel! Qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Cette vidéo, il a même pas été capable de franchir une bûche roulante sans tomber 6 fois de suite! Donc cette fois, il va devoir traverser non pas une, mais 3 bûches roulantes en transportant les 8 sacs de billets de l'autre côté. Et si jamais il tombe une fois, même une seule fois, il perdra tout. Mais c'est... Et avant que tu commences le défi, j'ai encore une dernière chose à rajouter. Tu peux actionner ce levier? Si je le fais, il va se passer quoi? Actionne-le, tu verras bien. Attends, 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 attends. Attends, je pense qu'il y avait du budget. Attendez, 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 attendez. Alors ça, je pense qu'il y avait pas mal de budget sur ça. C'était très bien comme... Il va le mettre à 60 mètres du sol. Donc je retire tout ce que j'ai dit. Je retire tout ce que j'ai dit avant. Il y avait du budget, pardon. Oh. Oh, oh mon Dieu, 60 mètres au-dessus du sol. Oh là 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 là. Je commence à avoir la trouille, c'est vraiment chaud. Si t'avais pas la trouille, tu serais pas humain. Oh mon Dieu. Tu serais pas humain. Ça va, Mac? Il est où le filet, bordel? Pourquoi? Je sens que je vais encore tout perdre. Je te jure. Mais t'as qu'à pas tomber. Franchement, ces vidéos de Mr. Beast, maintenant, je commence à bien aimer. Parce qu'il y a une histoire, franchement. Il y a une histoire, il y a des émotions. Et c'est ça qu'on aime voir. Tombé au moins 5 fois. Parce que maintenant, il y en a 3 et on est à 60 mètres du sol. Au cas où je tombe, merci de me donner une troisième chance. Ah. Je sais pas si je t'ai déjà remercié. Il a dit merci. Te crier dessus. Bah, c'est normal, mec. À chaque fois, tu m'envoies dans le ciel. Bon, t'inquiète pas. Mais t'essaies de gagner du temps parce que t'as peur. Ouais. Mac a déjà perdu 1 million 5. Voyons voir s'il va perdre 800 000. 1 million 5. Oh là 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 là. Mamma mia. 1 million 5 euros t'as perdu. Espèce de petit con à la blondinette. Quoi? 1 million 5 il a perdu. Non. Je veux revoir les vidéos précédentes. $1 de plus. C'est quand tu veux. 1 million 5 le con il a perdu. Dans cette situation, il y a une chose que je dis tout le temps. Bon voyage!
Bon voyage. Allez, allez. Ah, vas-y, pas si dur que ça. Dès qu'il a fait un pas, toute la... Non, il est attaché. Non, 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 non. Donc si il tombe, il ne meurt pas parce qu'il est attaché, bordel. Non, 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 c'est pas juste. On m'a tremblé. Oh, il porte 200 000 dollars, euros, ce que tu veux. Allez, 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 allez. Fais gaffe. Équilibre, équilibre. Bien joué. Allez, bon, allez. Un tout petit détail que j'ai pas dit à Mac, c'est qu'après avoir traversé, il peut soit décider de passer au tout dernier parcours avec l'argent qu'il a ramené, soit revenir pour en récupérer plus s'il est aventureux. Quoi ? Il peut soit continuer avec l'argent qu'il a déposé là-bas, ou soit revenir pour chercher l'argent qui reste. Alors, tu sais quoi ? Tu vas revenir, bien sûr, tu vas pas faire ta petite fille. Allez, allez, ne fais pas ta petite fillette et reviens. T'as réussi à traverser avec deux sacs, alors vas-y. Oui, Carl ! Oui, Carl ! Bravo, Carl ! Encourage le bordel ! Comme l'a si bien dit Carl. Allez, reviens ! Charge-moi cette oseille ! Bah ce soir, soit je vais m'endormir avec un petit sourire au coin des lèvres, soit je fermerai pas l'œil, allez. Oh là là là, je peux te dire que moi-même je vais mal dormir si tu vas pas gagner ces 800 000 dollars. Plusieurs mètres du sol, je vais vous parler de Circle. Circle propose des capsules placement de produits, oh là 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 là. Et qui vous permettent de donner à votre eau le goût que vous souhaitez. Vous pouvez aussi régler l'intensité de l'arôme en tournant la molette. Si vous la réglez sur 3, vous aurez un goût léger. Quoi ? Donc, tu peux avoir un goût tout en buvant de l'eau sans avoir des produits chimiques dans l'eau. Qui a besoin d'une capsule pour boire encore plus d'eau ? Qui a besoin d'une eau qui trompe le cerveau ? T'arrives même pas à contrôler ton putain de cerveau, donc t'as besoin d'une bouteille pour te dire que cette eau que tu bois, c'est une eau normale, mais elle a un goût dans ta tête. Oh là 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 là, mais juste prends la bouteille et bois-la d'un cul sec et basta. T'arrives pas à croire qu'il les jette. Allez, vas-y. Oh, la technique de ouf. Ce serait génial qu'il y ait des nouvelles couleurs. Circle a sorti 5 nouvelles gourdes avec différents coloris. Maintenant, je comprends, c'est du business, etc. Si vous voulez découvrir Circle, rendez-vous dans le Walmart le plus proche de chez vous, parce qu'ils font une offre exceptionnelle pour une durée limitée. C'est bon, Carl, t'es prêt à les rattraper ? Allez, 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 j'attends ça alors qu'il est au-dessus du vide. Oui, Carl, oui, Carl, allez, 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 100 000 dollars. Allez. Oui, Carl. Bien joué, t'es prêt pour c'est les comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Parti. Est-ce que tu veux rester là-bas et... Il a encore deux sacs. Ou tu veux revenir ici ? Non, s'il te plaît, reviens chercher les deux sacs. Soit Mac retourne auprès de Carl et continue la course avec seulement... Max, s'il te plaît, fais pas le con. Il y a uniquement encore deux sacs. Tu l'as fait 1000 fois, donc t'arriveras toujours à le faire. Allez. 600 000 dollars. Soit il prend le risque de revenir une fois de plus de ce côté pour récupérer 200 000 dollars. 200 000 dollars de différence. Tu pourras donner 100 000 dollars à ta daronne, gros, de plus. Oh là 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 là. Vas-y. Oui, Mac. Je connais ce regard. Oui, Mac. Allez, 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 mon brave. Oh, doucement, doucement, il n'y a pas de temps. Non, c'est pas vrai. Oui. T'as réussi, pourquoi tu t'énerves ? Mec, tu vois pas que j'ai failli tomber ? Oh mon Dieu, c'est stressant. Apporte-moi ce pognon, bébé. Bon, c'est parti. Apporte-moi ce pognon, bébé. Sans réfléchir, bon voyage. Allez, 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 ne réfléchis pas. Oh mon Dieu, il va tomber le con. Ok, ok, j'avoue, là, les gars, c'est un petit peu dur parce que... Tu l'as déjà fait. Oh mon Dieu, si t'as peur du vide, gros, bon, cette épreuve n'est pas du tout pour toi parce que j'arrive à voir le sol et il est très loin. Tombe pas. Ok, sécurise l'argent. Sécurise l'argent. Le dernier. Et puis toi, t'iras en dernier. Dali, attention, j'arrive. Oh, oh, il l'a fait. Oh le con, pourquoi t'es tombé? Mais non, j'y crois pas. Oui, Carl, oui, Carl. C'est Mac. Allez, c'est Doc. Vous croyez quoi? Plus qu'un dernier. Oh là 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 là. Ne réjouis pas trop vite, c'est toujours au dernier que t'as perdu. Cette fois, je vais pas tout faire. Oh, ça veut dire les vidéos précédentes, le gars a perdu dans le dernier niveau à chaque fois. Oh mon Dieu, je dois réagir à ces vidéos, bordel. Allez, et maintenant, 6. Place au défi final. Oh, c'est une quoi fois ça de plus, Mac a les yeux bandés. Oh mon Dieu, ne me dis pas 60 mètres. On est en train de remonter. Ah, ça y est, on arrive en haut. Oh, vas-y, avance encore un peu. Vas-y, vas-y, encore. Tu peux enlever ton masque. Mac, t'as devant toi ton... Oh là là, ce regard de Sigma. Oh mon Dieu, regardez ce regard, tu peux bordel. Enlever ton masque. Mac,
Oh mon dieu, ce regard! Oh lololo, il est concentrax, mon petit gars! Oh mon devant dieu! Toi, je peux vous dire que ce gars n'est pas un blobard, je peux le dire! Dernier oh mon défi. Dieu, allez, allez, allez! Vous avez devant les yeux le parcours le plus spectaculaire et le plus difficile de toute cette vidéo! Oh, t'es sérieux là? Oh mon dieu! C'est un truc de malade! Oh là 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 là! Moi aussi, ce parcours me terrifie! Oh là, je commence à transpirer. On lui en a fait voir de toutes les couleurs, non seulement dans cette vidéo, mais aussi dans les précédentes, avec des araignées, une noyade. Quoi? Il était dans une boîte avec 10 000 araignées! Bordel, c'est quoi ça? Embrocher des lasers et des biscuits. J'ai une surprise pour biscuits? Ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi les biscuits? Regarde quoi? Juste là. Ah! J'ai encore rien dit! Non, je sais exactement ce que tu vas dire! Je fais pas ce truc! Dans cette boîte se trouve un biscuit parapluie! T'as c'est deux quoi options! C'est quoi ça? Soit c'est quoi ça? T'essaies de le découper et tu gagnes 800 000 dollars si tu ah, réussis! Ah, Squid Game ce truc! Ce biscuit il appartient à Squid soit Game! Soit t'essaies de traverser cet horrible parcours quoi de la mort qui défie les lois de la physique et tu gagnes 800 000 dollars si tu réussis! C'est une décision difficile! Quoi? Donc, il a le choix entre un fichu biscuit et un obstacle qui pue et qui est meurtrier à jamais, bordel. Mais gros, prends le biscuit, c'est 10 000 fois plus facile. Mais on doit voir c'est quelle forme. Voilà le biscuit. Non, c'est quelle forme ça? Voyons voir. Enfin pour l'instant, je vais te dire, j'en ai fait des cauchemars. On doit voir la forme. Si la forme elle est je ne sais trapézoïdale avec rectangle carré, je ne sais quoi, oui c'est dur. Mais si c'est une forme simple, donc fais le biscuit, je te dis, direct. C'est quoi cette réponse? T'as rien de mieux à dire? Je trouve ça triste, c'est tout. Je te rappelle que t'as déjà perdu 1,5 million, et si tu te loupes pas... Il a perdu à je cause... Je trouve ça triste, c'est tout. Attends, j'aimerais voir. Il a perdu à cause d'un biscuit, bordel. Combien d'euros, je ne sais pas, 1,5 million, il a perdu avant à cause d'un fichu biscuit à chaque fois. Perdu 1,5 million... Non, il a perdu à l'étoile. Oh mon dieu, l'étoile elle était dure. Oui, je sais dans Squid Game que l'étoile est dure. Oh mon dieu, il y a eu beaucoup de morts dans le jeu de Squid Game à cause de l'étoile. Si tu te loupes maintenant, c'est 2,3 millions que tu vas perdre. En plus, tu pourras même plus réessayer. Allez, voyons voir la forme. C'est quelle forme? C'est quelle forme? T'arrives pas à... On peut pas voir la forme. Ok. Il l'a fait. Il a même pas vu la forme du biscuit. Choix, tu vas plus c'est avoir ça le cyborg que je veux voir. Impossible allez. De faire marche arrière. Allez. Chacun des 800 putains de 1000 euros dollars. Qu'il a pu allez, faire allez nous mon gars. Amène maintenant à ce moment oh, précis. Oh lolo lolo lolo. Oh mon dieu. Allez. Oh là, mais c'est trop tard. L'ambiance. Mon dieu! Oh mon dieu, le regard! Oh lolo! Pour commencer, il y a deux trapèzes, puis une plateforme jaune. Ce défi prendra fin quand t'arriveras au bout ou quand tu tomberas. Ça va être incroyable! Allez, Mac! Ok, c'est parti! Isolance! Oui! C'est plus oui, simple, le cycle hein. Pas dans toi-même! Ouais, regarde pas en bas! Sors-le, bordel! Sors-le! Pourquoi il a regardé quand je lui ai dit? Je ne sais même pas. Allez. Oh, ça c'est dur ça. Ça c'est vraiment dur. Oh, c'est exceptionnel. Oh, technique en fait, un petit peu risqué mais bon. Ils sont en bas non. En train de te regarder. Vas-y Mac. Allez quoi? Mac. Ouais allez, Mac. Tu peux le faire fiston. Ah, c'est ses parents ça. Pour l'encourager. Oh là là là, Mr Beast c'est un goat les gars. Mr Beast c'est un goat. Oh mon dieu Mr fais Beast. Attention. Oh, il y a le filet, bordel. Donc, si il tombe, il ne meurt pas. Oh, mon Dieu, sa tricherie. Oh, bien joué. Le prochain obstacle, je l'appelle le mur de la mort. Ouais, c'est original. Oh, l'escalade. Oh, lolo, escalade. Ça demande un peu de oh, stratégie. Oh, mon Dieu. Soit il monte et il redescend, soit il tente de traverser tout droit. Moi, à ta place, je traverse tout droit. Et au cas où vous auriez oublié, baisse la caméra. On est toujours à 60 mètres. Mais il y a le filet, donc s'il tombe, il ne meurt pas. C'est de la folie. Les gars, bien sûr que je veux pas qu'il meure, mais bon, bref. Non, enlève pas ta main, tu me fais peur. Ouais, c'est ça, ça te fait peur à toi. Mes mains sont devenues toutes moites. Oh. Allez, stop. Je veux pas voir ça. Oh là, la daronne qui a peur. Oh, ça me donne envie de vomir. Les prises sont beaucoup trop petites. Oh mon dieu, l'ambiance, elle est fou.
Ça va, maman? J'ai les bras tout engourdis. Ça va. Allez, Marc, allez, Marc. T'es à la moitié, presque. Non, t'es à la moitié. Pas presque. Il y a encore une preuve pour que tu sois à la moitié. Le tout, c'est de lâcher l'anneau au bon moment. En gros, si tu lâches trop tôt, tu tombes. Marc, arrête pas d'agiter les bras. Il ferait mieux d'économiser ses forces. Allez. Il sait très bien comment ça se passe. Le plus dur reste à venir. Ne lâche pas. Et maintenant, Où ils sont, putain, 1000 euros, ils vont être sous ton lit maintenant, si aujourd'hui. Le touche, tu fais quoi? D'après toi? Non. Attention. La tricherie. C'est pas vrai. Il doit vraiment flipper. Oh là. Non. Est-ce que il a le droit? Non, c'est une tricherie, ça. Non, mais c'est ça, couille aussi. Les gars, non, franchement, je respecte. Il a réfléchi, il a écouté sa cervelle pour une fois. Te voici devant le dernier obstacle de niveau 6. Bon, vous savez tout comme moi que Mac a préféré jeter le biscuit. Cependant, compte tenu de son passé avec ses petites sucreries, j'ai pas pu résister à l'envie de lui ressortir une toute dernière fois. Pourquoi une deuxième fois? C'était pas utile. Je savais que t'allais refuser. Le montage de faux de Mr. Beast. Tu sautes. Ah, ce sont des plateformes et il la doit sauter. Qui sépare ces Ça, c'est ça. Ça, c'est une vraie distance. Non pas comme le premier niveau. Qui puait sa grand-mère. Mais ça, c'est une bonne distance. Est de plus en plus grande. Et pour augmenter davantage la difficulté, j'ai décidé de faire en sorte que chaque plateforme devienne de plus en plus petite. Oh mon dieu, Mr. Beast. C'est une barre de trapèze et une chute vertigineuse d'une soixantaine de mètres. Oh mon dieu, le dernier saut, il est chaud, sa grand-mère, tu peux le voir. 4 sauts. Mac va-t-il devenir riche? Oui. 3. 2. 2. 1. Oh, le chien! Comment tu peux faire? Oh mon dieu, il a failli tomber le coup. Oh, j'ai vraiment cru qu'il allait tomber. Oh non, le chien. Un de moins. Il en reste encore 3. Mac a bien failli louper la plus grosse plateforme. Ferme les yeux. Malheureusement pour lui, les 3 autres sont de plus en plus petites. Oh mon dieu, et ils sont de plus en plus loin. Il reproduise les mêmes erreurs que par le passé. Parce que ce sera son ultime chute. Comme vous pouvez le voir, cette barre est hors de portée pour Mac. La seule solution, c'est de sauter. S'il la rate en plein vol, c'est fini. Il repartira d'ici bredouille. Allez, Mac. Et couvert de honte. Ok, waouh. Il se balance beaucoup. Il vaut mieux qu'il évite de se balancer. Non, balance pas. Parce qu'il aura besoin de force pour la suite. Oh mon dieu. Facile. Fast touch comme de la poche. Allez, plus que deux. Ça quelque chose, ce bout cassé? Oh, le chien! Non, Mr. Beast, t'as pas le droit de jouer avec les sentiments. Quoi? Il lui a mis la plateforme cassée juste pour le faire rappeler l'épreuve dont il a perdu les 800 000 dollars avant. Oh mon dieu, le chien! C'est la toute dernière ligne droite pour Mac. Ses deux petits biscuits l'ont brisé, au même titre que lui les a brisés. Parapluie et étoile. S'il échoue maintenant, il perdra à jamais sa seule et unique chance de sortir de l'obscurité. Bon voyage! Oh! Ça y est! Ouais! Bien joué! Bravo, Mac. Tout dernier saut. Allez. Parapluie, deux fois plus loin que la précédente. Oh mon dieu, c'est une vraie distance. Que Mac ait rencontré. C'est une question de vie ou de mort. Soit il gagne, soit cette saga s'arrête. Et tout ça n'aura servi à rien. Ta famille est derrière toi. On est tous derrière toi. 3. Oh mon dieu. Je pense que. Oh, il saute. Oh la vache, il est super loin de la plateforme. Je peux pas voir ça. C'est horrible. Oh mon dieu. Pour info, Mac, il reste 60 secondes. Et il s'est passé quoi? Oh non. Je sais vraiment pas quoi dire. Je suis vraiment un idiot. Oh, c'est pas vrai. J'ai fait ça 2 fois. Allez, ta mère, la très belle femme.
Il se lance. Il se lance. Le chien, il se lance. Oui. Oh mon Dieu, le soulagement, bordel. Oui. Oh mon Dieu, le soulagement. Oh mon Dieu, le film de fou. Oh là 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 là. C'est 800 000 dollars. Il y a trois de mes amis, des amis d'enfance. Ferme ta gueule et toi et tes amis d'enfance, je m'en fous de ton histoire. Oh là 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 là. Le montage qui est fou furieux. Oh mon Dieu, la voisine de la grand-mère, de la daronne, du grand-père, du père, de la voisine, de la du voisin. Oh mon Dieu, ils sont tous beaux. Oh là 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 là. Je transpire carrément en gros. Oh mon Dieu, le montage, il est fou furieux. Je tiens vraiment à les aider. Oh là 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 là. Ma vie a changé. Félicitations. Elle a changé pour toujours. Tu le mérites. Merci Jimmy, merci infiniment. T'es trop fort, mec. Ouais. Oh, ouais. Oh mon le feu d'arrive. Oh là là, Mister Pistol. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, je vous aime. Oh là 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 là. J'ai réussi. J'ai réussi, maman. Oui, oui, maman, il a réussi. J'ai jamais été aussi heureux de perdre 800 000 dollars. Félicitations. Bon bref, sur chaque vidéo, tu arriveras à faire 1.5, 2.2 millions de dollars. Bon, je pense 800 000 dollars, ça ne coûtera pas trop ton bras. Non, je rigole, je rigole. Bravo, 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 bravo. Félicitations, Mac. Il sera de retour bientôt. Oh, il sera de retour bientôt. J'aimerais moi un jour être dans une de ces vidéos. Mais bon bref, oh mon Dieu, le soulagement que j'ai eu maintenant. Oh, le montage, oh mon Dieu, mais Netflix, prenez putain de Mr Beast. Mettez-le chez vous, bordel. Faites des films sur Mr Beast. Oh là 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 là. C'était masterclass. Juste ultra masterclass. Oh mon Dieu, le soulagement, bordel. Oh là 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 là. Le montage était fou furieux. Le candidat était fou furieux, monstrueux. Mr Beast, le commentateur, était fou furieux. The Don qui a commenté la vidéo juste pour vous servir était fou furieux. Donc on se retrouve à la fois prochaine. Allez, see ya, bye. Ciao.